Ah, un peu de repos, un peu de vacances. Ah, l'Australie. Salut les sportifs, si je vous dis Australie, vous pensez forcément aux kangourous, aux plages, aux cocktails et à la chaleur extrême, non? Côté sport, on pense forcément aux Wallabies, aux cyclistes Caleb Ewan, Michael Matthews ou encore à Leighton Hewitt. Bref, des sports inspirant la chaleur des JO d'été. Improbable donc de voir un Australien remporter une médaille aux JO d'hiver, non? L'Australie, c'est quand même la 8ème nation olympique avec 497 médailles récoltées en été pour seulement 15 en hiver et une faible 26ème place. En 2002, c'est près de 0, oui de 0 médailles d'or aux JO d'hiver glanées par les jeunes et verts depuis les premiers à Chamonix en 1924. Et pourtant, l'impossible va être réalisé en la personne de Stephen Bradbury. On part tout de suite pour un bond en arrière, une année 2002 qui verra naître le miracle de Salt Lake City. C'est tout de suite, une nouvelle histoire brève. Bon, Stephen Bradbury, ça n'a rien de l'athlète idéal dont vous pourriez vous imaginer. Vous savez, celui qui remporte victoire après victoire, titre après titre. Bradbury, lui, pratique le patinage de vitesse, c'est-à-dire la discipline qui consiste à parcourir le plus vite une distance déterminée, chaussée de patins à glace que l'on appelle les patins de vitesse. L'Australien pratique son sport depuis l'âge de 12 ans, donc forcément, vous vous en doutez, il a acquis son petit niveau dans son pays australien sans forcément être le meilleur. Il ne sera que plus tard le précurseur d'une montée en popularité de son sport. Alors, miracle aux Jeux Olympiques, pourquoi me diriez-vous? Tout simplement qu'un autre ami Bradbury a du potentiel sur sa terre Down Under, mais à un niveau correct seulement à l'international. Il est surtout porté par ses coéquipiers au début de sa carrière et a des piètres résultats en compétition. Le jeune pompier volontaire dispute ses premiers JO en 1992 en tant que remplaçant puis obtient une médaille de bronze en relais en 1994. Rien de forcément très excitant, surtout que les 8 années qui le relient à l'année 2002, l'année des JO d'hiver de Salt Lake City, ne seront faites que de blessures à répétition où l'Australien ne retrouvera jamais son vrai niveau. Et oui, les années passent et le patineur de vitesse n'arrive toujours pas à se qualifier pour une moindre finale internationale, du moins en individuel, aux Jeux Olympiques. Arrivent alors les JO de Salt Lake City de 2002. Un an auparavant, l'Australien est diminué et sa participation est remise en cause. Mais il avouera plus tard avoir préféré le risque de tomber et finir sa vie dans un fauteuil roulant ou être coupé par la lame d'un adversaire et mourir plutôt que de renoncer à ses derniers JO. L'Australien n'arrive donc pas du tout en favori et se qualifie péniblement pour les quarts de finale des JO d'une unique discipline, le 1000 mètres. Le déroulé est simple. Un circuit en boucle, 1000 mètres à parcourir, 7,5 tours, et les deux premiers seulement sont qualifiés. En quart de finale, le rêve d'une médaille lors de ses derniers Jeux Olympiques s'écroule. Il arrive troisième de son quart de finale du 1000 mètres, ce qui devrait lui valoir une élimination. Mais le Canadien Marc Gagnon est disqualifié pour avoir poussé un adversaire dans le dernier virage, ce qui place Bradbury en deuxième position et lui donne une place en demi-finale. L'un de ses meilleurs classements, déjà une belle réussite, Bradbury se classe parmi les 10 meilleurs du monde. En demi-finale, il a du retard sur ses concurrents et risque de nouveau l'élimination. Mais une collision entre deux patineurs japonais et sud-coréens lui permet de finir deuxième de sa demi-finale et d'atteindre la grande finale des Jeux Olympiques de 2002. Le miraculé continue sa route. Sur la glace, il semble planer. Son ange gardien est à ses côtés, mais la chance va-t-elle frapper une troisième fois? Arrive alors la grande finale des Jeux Olympiques. Bradbury n'est même pas considéré comme un outsider, c'est simple.
le voir remporter la médaille dorée serait comme gagner au loto, rare, voire quasiment impossible. Les 5 patineurs finalistes s'élancent. Rapidement, le chinois Li Jiajun, 10 médailles d'or au championnat du monde, et l'américain Apollo Ohno, 7 médailles au championnat du monde et 1 médaille d'or dans ces mêmes JO de 2002, virent en tête. La médaille d'or et d'argent semble déjà scellée. Derrière, 3 hommes pour le bronze. Le jeune russe Victor Hahn, après 2002 ses 6 médailles olympiques et 20 médailles d'or au championnat du monde. Le canadien Mathieu Turcotte, médaillé d'or dans ses JO. Et Steven Bradbury, qui tour après tour voit les autres s'échapper. Lors du dernier tour, les rêves de médaille de Steven sont réduits à néant. Il est bon 5ème, à la traîne avec une 20aine de mètres de retard, quand d'un coup, Ohno et Jiajun se bousculent et chutent, entraînant avec eux Hahn et Turcotte. La voie est libre. Plus que 10 mètres à parcourir, il passe la ligne en solitaire. L'Australien offre la première médaille d'or olympique aux JO d'hiver à sa nation. L'humble athlète est surpris, il n'en revient pas et tout le public de Salt Lake City non plus, il faut le dire. En conférence de presse, il dira alors « Je sais très bien que je n'étais pas le meilleur, mais gagner une médaille d'or, ça reste extraordinaire et je ne vais pas la rendre. » L'Australien prendra alors sa retraite, une retraite bien méritée et une histoire incroyable. Un plaisir, félicitations au miraculé de Salt Lake City.